Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Soirée Sport, votre magazine des sports de la télévision nationale qui fait le point de l'actualité sportive du week-end pour vous. Et quand on parle d'actualité sportive du week-end, c'est que le week-end, il a été bien chargé, hein, avec notamment la participation du Bénin aux Jeux paralympiques Paris 2024. On vous donne les nouvelles de l'athlète Faisal Atiba qui, vendredi, fait sa compétition. On parle également dans Soirée Sport des Jeux universitaires avec la course vers pour la qualification pour la phase finale qui a donc été lancée du côté de la pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. On parle également de nos guépards. Vous les entendrez bien évidemment dans Soirée Sport. Les fans, ils ont de nombreuses attentes, des attentes qui basculent entre espoir bien évidemment et beaucoup de prudence avant donc ces deux rencontres face au Nigeria le 7 septembre à Ouyo et face à la Libye du côté du Félicia à Abidjan le 10 septembre en Côte d'Ivoire. Sur ce plateau, on parlera également de basketball avec le champion NBA Yan Maimi qui est donc présent en plateau avec moi ce soir, notamment pour parler de la Summer League, la toute première édition qu'il a donc organisée à l'intention des jeunes des différents départements du Bénin. Ce fut une très très belle fête, un moment de partage d'expérience avec les jeunes joueurs donc de la Summer League. Yann, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc dans Soirée Sport qu'on va ouvrir avec cette discipline qui est paralympique et notamment le boccia. Le boccia hein, qui reste encore un peu connu du public sportif béninois et spécial olympique. Ça a donc décidé le week-end écoulé donc de démontrer donc comment se pratique ce sport au public sportif. La séance d'initiation a eu lieu du côté de Porte Nouveau, stade Charles de Gaulle de Porte Nouveau. Le point dans ce sujet. Également nommé Rafa Volo, le boccia est tout comme la pétanque, un sport de précision et de réflexion. Il peut se jouer sur n'importe quelle surface. Le but du jeu est de placer votre boccia le plus près du palino, comme à la pétanque. Vous marquez alors un point à chaque fois que vous êtes plus près de vos adversaires. Cette discipline se pratique sur un terrain de 3,66 m de large sur 18,29 m de long. Sur l'esplanade intérieure du stade Charles de Gaulle de Porto Novo, c'est cette discipline que découvre le public grâce à Special Olympics Bénin. C'est un sport que beaucoup ne connaissent pas encore, mais que nous avons mis dans le programme de Special Olympics. C'est un sport très facile qui attire le monde et qui permet aux athlètes d'être déstressés et de se plaire vraiment au sport. Le boccia peut être pratiqué en individuel ainsi que par équipe de 2 ou 4 joueurs. Une partie se joue généralement en 12 points en individuel ou en tandem et en 16 points si le jeu se déroule par équipe de 4. Aujourd'hui, compte tenu du temps, on n'a pas eu assez d'athlètes, mais on a eu une vingtaine. On a eu une vingtaine et les coachs étaient avec nous, les parents étaient avec nous. Il y a même des participants, ceux qui sont venus aujourd'hui pour le sport de santé. Ils ont participé à cela parce que c'est un sport très intéressant. Parce que quand ils passaient, ils voyaient comment ça se passait, ça les intéressait. Et ils s'arrêtaient en même temps pour jouer avec nous. Je suis très content de voir beaucoup de personnes venir nous découvrir, voir comment toute personne handicapée de toute catégorie viennent faire des activités physiques. Je suis tellement heureux pour l'initiation aux enfants. Je veux dire tout le monde, les gens, tout, pouvoir participer tout le monde à ce jeu de boccia qui est un nouveau jeu. Donc pratiquement comme les autres jeux, comme le foot, le basket, le handball, que tout le monde maîtrise. Je suis vraiment content de voir comment ça se passe. C'est amusant et ça m'a intéressé aussi. La preuve, j'ai voulu le faire aussi. Mais compte tenu du temps, prochainement, je vais me mettre aussi au travail pour le faire. Special Olympics Bénin a pour mission de permettre aux enfants, aux adolescents et aux adultes en situation de handicap mental de développer leurs capacités mentales et physiques
grâce au sport. Voilà donc pour ce sport et on va rester donc dans cette perspective pour parler donc de Faisal Atiba, l'athlète béninois qui est donc aux Jeux paralympiques Paris 2024. Il était donc engagé sur le 100 mètres hommes T47 et Faisal Atiba était donc en piste le vendredi dernier et au départ du premier tour. Série 2, l'athlète béninois a terminé 5e de sa course avec un temps de 11-24. Il a à l'occasion donc battu son record personnel qui était de 11-35. Et donc à l'issue de ce premier tour, il faut rappeler que seuls les 3 premiers de chaque série et les 2 meilleurs temps se qualifient pour la finale. Faisal Atiba ne sera donc pas en finale, mais il a donc à son natif son propre record personnel battu. Très très belle prestation parce que déjà quand on parle des Jeux Olympiques, même également des Jeux Paralympiques, tous les athlètes ne vont pas forcément pour des médailles. D'autres vont pour aller chercher leur record personnel, n'est-ce pas Yann? Oui, après, bon, en tant que compétiteur, forcément, bien sûr. Après, le niveau est tellement élevé que souvent, c'est ce qui arrive, on dépasse notre propre record. Et il faut donc 10 félicitations à Faisal Atiba qui a donc battu son propre record. On va revenir ici au Bénin et prendre la direction du stade de la pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi où a eu lieu donc le lancement de la phase zonale des Jeux universitaires 2024. Et ce qu'on peut dire, c'est que la course vers la qualification pour la phase finale est désormais lancée. Sur les aires de jeu de l'université d'Abomey-Calavi, le football, le handball, le volleyball et le basketball ont repris leurs droits à la suite des Jeux intercampus. Des différentes confrontations seront connues les équipes qualifiées pour la phase finale des Jeux universitaires. Au départ, nous avons envoyé un courrier à 71 universités, aux centres universitaires. Parce qu'il faut préciser que l'université d'Abomey-Calavi compte plusieurs entités et les correspondances sont adressées à la fois aux universités et également aux centres universitaires ou unités de formation. Nous avons reçu 64 réponses et d'entre ces 64, il faut dire également que cette année, il y a une innovation que nous avons apportée aux Jeux universitaires, c'est-à-dire l'inscription en ligne. Donc cette inscription a permis aujourd'hui d'avoir 53 centres universitaires qui participent à la phase de zone. Les qualifications se jouent dans 5 zones réparties par l'OBSU, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Les meilleurs de chaque zone, dans chaque discipline, sont qualifiés pour la phase finale. Les premiers des deuxièmes meilleurs sont qualifiés également pour la phase de zone. Ce qui va dire que nous aurons 6 équipes dans chaque discipline au niveau de la phase nationale. Alors, on dénombre 1543 athlètes qui participent aujourd'hui à la phase de zone. Et à l'arrivée, nous aurons 843 athlètes qui vont participer à la phase nationale. L'objectif des Jeux universitaires est de révéler les talents sportifs dans les universités et centres universitaires privés comme publics. Et le ministère des Sports est porteur d'un message à l'endroit des jeunes sportifs. Premièrement, le fair play. Deuxièmement, un bon match. Et que tous les joueurs puissent faire révéler leurs talents, comme le souhaite d'ailleurs notre président de la République, je veux nommer M. Patrice Talon, qui ne cesse d'aménager aucun effort pour que nous puissions faire révéler le Bénin partout, dans toutes les disciplines. Ici, nous sommes au niveau du foot, il y a d'autres disciplines qui se jouent en ce moment au niveau d'Abomey-Calavi et dans toutes les régions du Bénin où nous avons nos universités. À travers ce jeu, nous sommes très sûrs que nous allons détecter d'autres talents qui, pourquoi pas, vont entrer dans des grandes académies et également qui pourront trouver peut-être des clubs à l'international et aussi les clubs que nous avons ici au Bénin qui ne cessent d'émerger. La phase de zone des Jeux universitaires 2024 va permettre aussi aux étudiants de vivre leur passion sportive. Il y aura des sensations pour les uns et les autres jusqu'au 8 septembre
prochain. On va rester sur les dernières images donc de ce compte rendu, hein, les images de basketball pour parler donc de Summer League, la première édition de la Summer League avec Yann Maimi qui est donc à la tête de cette initiative qui déjà vise notamment à partager avec les jeunes l'expérience de la balle au panier. Déjà la Summer League, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Alors la Summer League, c'est une ligue d'été, comme son nom l'indique, qui touche la catégorie des moins de 16 ans. Donc filles et garçons, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collaboré avec l'OPSU. Je suis content de voir le DG. Vous étiez d'ailleurs à Branco récemment. Exactement. Donc grâce aux classes sportives, on a regroupé, on a fait une sélection départementale des meilleures filles, des meilleurs garçons de moins de 16 ans. Débuté la compétition le week-end dernier, donc on a à peu près une dizaine de jours de compétition. Et donc on a eu les filles qui ont joué dans le mono à Grand Popo, les garçons ont joué dans le zoo chez moi à Kove. Et donc on a eu vraiment 10 jours de compétition où on a vu tous ces départements s'affronter. Et l'objectif, c'est vraiment, ça a été aussi de développer tout l'écosystème. Hein. Et quand je dis l'écosystème, c'est les carrière qu'il y a autour des athlètes. Oui. C'est un souhait, c'est une initiative que ma fondation a lancée qui s'appelle Young Pros, jeunes professionnels. Et c'est vrai qu'ils ont accompagné nos athlètes. Et quand je dis Young Pros, il y a 9 départements, il y a 9 carrières qu'on vise. Oui. Donc il y a forcément les coachs, il y a les arbitres, il y a tout ce qui est prépa physique. Après, on a tous les créateurs de contenu, les journalistes, on a aussi les statisticiens, oui. L'officiel table de marque. On a aussi les statisticiens, ceux qui prennent les stats. Oui. On a les team managers les event managers. Donc on a eu des staffs bien gonflés. On a eu un événement riche en rebondissements et on a eu de bons champions. L'objectif, c'est véritablement de former, de professionnaliser tous les talents autour donc, de la Summer League. C'est ça. Enfin, l'objectif de la fondation, c'est vraiment c'est de donner une plateforme à tous ces professionnels pour évoluer. Mais au-delà de tout, c'est la répétition. Donc on sait très bien que dans tout domaine, pour devenir bon, vous êtes devenu bon journaliste parce que vous avez beaucoup de répétitions tous les jours. Moi, je suis devenu bon basketteur parce que j'ai eu beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements. Et donc de proposer une plateforme où vraiment tous les jours, hein, les jeunes filles, les jeunes garçons, ils ont joué 3-4 matchs dans la journée, c'est énorme. Donc ils ont vraiment évolué du premier jour au dernier jour. C'est pareil pour les arbitres, on a eu les jeunes officiels, on a eu des coachs qui ont beaucoup coaché, on a eu des préparateurs physiques qui devaient faire avant les matchs, après les matchs, le soir à l'hôtel, la récupération, l'hydratation, le sommeil. Donc c'est vraiment tout l'écosystème qui a grandi et qui a bénéficié de beaucoup de répétitions sur les 10 derniers jours. Alors, quand on a joué en NBA, on a plus d'expérience dans ce domaine pour aller vers la professionnalisation. C'est surtout ça, hein, parce que aller vers la professionnalisation, c'est qu'il faut vraiment y mettre du sérieux. Bien sûr, et je le dis souvent, même si j'aimerais bien dire que oui, je suis devenu professionnel à 16 ans parce que ma détermination, ma force de travail, mon éthique de travail, oui, certes, j'ai plus travaillé que certains, mais j'ai été surtout bien encadré. J'ai eu de belles infrastructures, j'ai eu de beaux encadrants, j'ai eu des bons coachs, des bons kinés, des bons prépas. J'ai vraiment bénéficié de tout un cadre qui m'a permis de maximiser mon potentiel très vite, très jeune. Je suis parti aux États-Unis à l'âge de 18 ans. Donc bon, c'est un peu cet univers, cet écosystème que moi et mes partenaires, bien sûr, on essaie de créer ici au Bénin parce que on n'a rien à envier aux autres, en fait. Notre jeunesse, elle est belle. Moi, je la côtoie depuis de nombreuses années et il faut juste l'outiller. Donc, merci de m'avoir invité. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un appel aussi à action pour toute personne qui croit au développement social à travers le sport. Moi, j'en suis un exemple. Hein. J'en suis un exemple concret et je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres. Donc, voilà. Donc beaucoup de choses, hein, et est-ce que forcément, hein, lors de ce tournoi, de cette première édition de la Summer League, beaucoup de
de jeunes se sont certainement distingués. Beaucoup de jeunes vous ont frappé à l'œil. Hein. On vous a déjà vu à Vrancou de là. Vous aviez pensé, lorsqu'il y avait le championnat national scolaire, que c'était une très très belle initiative. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent. Nous, chez les filles, chez les garçons, là, cette année, on a eu de très bons champions. Chez les garçons, IBJ ont gagné, IBJ Youth. Chez les filles, les Gletti ont gagné. Et nos MVP sont magnifiques. En fait, ce sont des joueurs exceptionnels, des joueuses exceptionnelles, qui vraiment n'ont rien à envier aux autres. Donc moi, tous les ans, chaque fois que j'organise un événement sportif ou je participe à un événement sportif ici au Bénin, je prends toujours une claque parce qu'en fait, moi qui voyage un peu partout dans l'Afrique, quand on parle de sport, on dit « Ah, au Bénin, non, vous ne faites pas de sport. » Ah bon ? On fait du sport, on a de très beaux athlètes. Donc à chaque fois, moi, que ce soit à Vrancou ou pour les phases finales des classes sportives ou que ce soit pendant ma Summer League, on regorge de talents. On va revenir dans un instant à la Summer League et au basketball. On va parler d'un autre sport demain, notamment le volleyball avec la saison professionnelle qui est terminée avec le sacre de Queens Volleyball Club qui a rempilé et de l'autre côté Énergie Volleyball Club qui écrit pour la toute première fois son nom dans l'histoire de ce championnat national professionnel de volleyball. Volleyball Club rempile chez les dames et Énergie VBC détrône Finance Volleyball Club chez les hommes. La finale dames à la lue d'une revanche pour Queens VBC qui affronte Vessos, club qu'il avait battu en juillet dernier pour le tournoi de la paix. Le même scénario a failli se reproduire puisque l'adversaire remporte le premier set. Mais dans ces beaux jours, Bentaba ramène les deux équipes à égalité, 1-1. Avec cette parité, Queens use de son expérience, de sa maîtrise collective et surtout de son sang-froid pour s'imposer lors des deux derniers sets. Je dirais que je suis satisfait, très satisfait, puisque l'année passée, on était en bas du tableau. Aujourd'hui, on a pu faire la finale et je crois que je ne peux que féliciter et mes joueuses. Nous disons action de grâce à Dieu parce que quelle que soit ta volonté, quand il n'y a pas une grâce et des bénédictions, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Et aussi un grand merci à nos dirigeants, au staff technique qui sont les coachs et à nous aussi les filles pour notre détermination et notre volonté. Aucune déception. Aucune déception en ce sens que l'année dernière, j'étais dernière du championnat, c'est-à-dire j'étais à la 6e place. Mais aujourd'hui, j'ai disputé une finale. Je suis passé de 6e à 2e. J'ai joué à 8 contre 14. Donc je ne pourrais pas dire que c'est une déception. On s'est battu pour maintenir ce titre et on est arrivé. C'est toujours Queens contre une autre équipe. On a plusieurs adversaires, mais on arrive à l'emporter grâce à notre discipline et à notre régularité à l'entraînement. Chez les hommes, le public a eu droit à une finale inédite puisque c'est la première fois depuis l'avènement du championnat professionnel que Finance VBC ne dispute pas la finale, encore moins à la DA olympique. Les nouveaux élus ont pour nom Énergie et Jiba, tous deux issus de la Ligue régionale ou Aimé Plateau. Cette finale indécise et équilibrée penchait en faveur, selon les connaisseurs, de Jiba qui comptait dans ses rangs, Raoul Gaba, qui a brillé tout le long de la saison. Il avait notamment survolé toutes les phases et il a permis à Jiba de conclure rapidement le premier set dans cette finale. Énergie VBC se réveille et s'impose au deuxième et troisième set. Jiba tente de relancer le match au quatrième set, mais émoussé physiquement, Gaba et ses partenaires vont craquer à l'usure et voient Énergie inscrit pour la toute première fois son nom au palmarès du championnat professionnel de volleyball. La différence en cette finale, c'est depuis la base. Parce que si vous préparez votre championnat correctement, vous en sortez bien. C'est pour dire quoi? On a fait 23 matchs au total et c'est 3 matchs qu'on a perdu dans le championnat. Donc c'est ça qui prouve qu'il y a la détermination et puis la volonté d'atteindre l'objectif. C'est un plus parce que c'est une consécration, comme on le dit. On était là,
la première saison, vous voyez, on est venus de loin. Quatrième, troisième, deuxième, et maintenant, bon, voilà, le titre s'ouvre à nous. C'est la joie. Et cette joie, c'est d'abord demander aux enfants de continuer ce qui a été fait. On doit pouvoir. Ce n'est que par là que la réussite du groupe viendra. C'est une finale. Et j'ai perdu. Je ne suis pas trop déçu parce que c'est cette année que je suis monté en pro et déjà je suis en finale. Et bon, dans le haut volleyball, il y a un gagnant et il y a un perdant. J'ai perdu, j'ai recueilli les erreurs que j'ai faites pour pouvoir perdre cette finale. Je vais me préparer pour la saison prochaine. Tout au long de ce championnat professionnel 2023-2024, deux joueurs ont été les plus en vue et les plus réguliers en termes de performance. Il s'agit de Babinta de Vessos et Raoul Gaba de Jiba qui ont été désignés meilleurs joueurs du championnat professionnel. Troisième au classement, Energy VBC chez les dames et Alada chez les hommes. On va revenir à notre invité de cette soirée, Yann Maïmi, pour continuer de parler de la Summer League, de la première édition de la Summer League. Le coup d'envoi a été donné le 26 août dernier à Covey. C'est bien évidemment ça. C'est ça. Alors, c'était le 26. Ouais, le 26. C'était lundi 26. Hein. Lundi c'est bien 26, ça. Ouais. Voilà. Non, on a commencé avec un Media Day. Là, vous voyez quelques images. On a commencé avec un Media Day le samedi et le dimanche, qui a été vraiment. On a vu les caractères de nos jeunes athlètes mis en avant. Et oui, on a lancé le lundi, comme je l'ai dit, à Covey pour les garçons et à Grand Popo pour les filles. Et vraiment, ça a commencé. Mais vous savez, de jouer 7 jours, c'est énorme en termes de débauche physique. Donc, ils ont commencé lundi avec beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'en milieu de semaine, ça a fléchi un petit peu. Ah, oui. Et ça a terminé très fort hier. En pratique physique. Ah oui. Ça a commencé à se faire ressentir. Ouais. Mais on a terminé dimanche avec des beaux play-offs. On a eu les quarts de finale, demi-finale, match de la troisième place et finale toute la journée d'hier et c'était magnifique. Ah oui, c'était donc pour vous une très très belle fête. Est-ce que pour vous, vos objectifs ont été atteints en organisant la Summer League? Bien sûr, après bon, on a tous différents objectifs. Après... Ce qui était important pour moi, c'est de commencer. C'est de faire le premier pas, de regrouper tous ces jeunes, de leur donner justement cette plateforme pour s'exprimer pendant tout le long de la Summer League et surtout d'avoir tous ces jeunes professionnels autour. Par exemple, pour les huit équipes qualifiées des filles dans leur journée de repos avant les finales samedi, elles ont toutes fait un spa où elles se sont fait masser, elles ont fait des bains chauds, du hammam, du sauna pour vraiment. Donc ça, c'est des aspects de bien-être, de recovery qu'on connaît pas forcément ici. Les garçons, ils ont eu un chiropracteur qui est allé les voir à Covey, qui les a remis un peu en place. Ils ont eu des masseuses qui sont venues. Donc c'est vraiment de commencer à titiller les exigences du milieu professionnel, même s'ils ont que 16 ans. La débauche d'énergie est tellement intense que on a des préparateurs physiques qui travaillent avec eux toute la journée, les étirements, l'échauffement, l'hydratation. Après chaque match, le meilleur joueur discutait avec les journalistes. On a eu des grosses conférences de presse. Chaque équipe avait un journaliste, un créateur de contenu. Donc on a eu énormément de vidéos, de photos prises. Donc ils ont été vraiment insérés dans un milieu qui ressemble à ce qu'on peut voir au plus haut niveau. Ah oui, c'est véritablement ça, hein, parce que au niveau du quand on parle de haut niveau, on parle de professionnalisme, c'est un ensemble, c'est plusieurs acteurs qui travaillent à sortir un véritable produit que devient véritablement le joueur ou je vais dire le basketteur ou la basketteuse. Bien sûr, bien sûr. Et on aura plein d'histoires à raconter. On a eu énormément de journalistes, donc les 30 journalistes ont beaucoup écrit en fait sur tous les joueurs, sur les coachs, sur les préparateurs physiques. On a eu les stats, beaucoup de statistiques. Vous savez, ce qui est très important pour nos jeunes aussi, c'est de bénéficier d'images et de stats. Si demain un recruteur d'un grand club vient et il est intéressé par une de nos joueuses ou un de nos joueurs, il sera aussi important de lui mettre à disposition des stats.
qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est bon, qu'est-ce qu'il a fait dans une compétition. Et là, on a toutes les stats, on a même des vidéos, on a des photos, les journalistes ont fait des articles sur ces joueurs. Donc voilà, si le petit, il a grandi, je ne sais pas moi, dans le fin fond du Bourgou, avec sa famille, il a 10 frères et sœurs, c'est un bon élève à l'école, de savoir tous ces détails, c'est important. Donc on les a maintenant. Et je pense que c'est le début. On a aussi trouvé des vocations pour certains de ces jeunes professionnels. Et c'est le début d'une grande aventure, je pense. Le début d'une belle histoire. Hein, et véritablement, quelle est l'histoire qui se cache derrière? Quelle est l'histoire derrière la Summer League? Ce n'est pas né comme ça. Non, ce n'est pas né comme ça. La Summer League, elle est venue après beaucoup, beaucoup d'années d'expérience. Moi, j'ai commencé à faire, mais quand même avant ma fondation... En 2008, j'ai fait mon premier camp. Et c'est vrai qu'en 2016, quand j'ai lancé la fondation, et on est venu au Bénin, on faisait des camps de perfectionnement. Oui. Donc ça n'a rien à voir, c'est plus, voilà, on est dans la salle du matin au soir, mais on travaille un peu plus sur les skills individuels. Il n'y a pas autant de matchs, en fait. Oui. C'est vraiment du travail de perfectionnement. Et c'est vrai qu'à la fin, les enfants venaient en début du premier jour du camp et ils repartaient à la fin du camp transformés. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit « Mais monsieur Yann, j'ai fait plus de basket en une semaine que toute l'année, en fait. » Et c'est là où je me suis dit « Ah, ok, peut-être il y a une opportunité pour la Fondation d'apporter un peu plus de répétition à ces jeunes. Oui. » Et donc c'est là où elle est venue l'idée de la Summer League. Après, Summer, parce qu'on sait très bien que quand on s'adresse aux jeunes, il y a l'école. Donc, on voulait ne pas trop clasher avec l'école. Donc, on s'est dit, pendant l'été, les enfants sont libres. Donc, de faire une ligue, ça ne va déranger personne. Donc, on l'a fait en collaboration avec l'OPSU et un peu la FEDE. Et c'est vrai qu'on a une belle première édition. Mais c'est vraiment un travail de long. Pour moi, c'est une vision qui a commencé il y a 2008. Ça fait combien de temps, ça? Ah oui, là, on est en 2023. En 2028, on sera quand même à 20 ans déjà. Ouais, donc, ouais, on est à 15 ans déjà. Donc, c'est 16 ans même. Oui, 16 ans. Ouais. 20 ans, 16 ans. Bientôt 20 ans, on va dire. Mais est-ce que Yann prépare déjà la deuxième édition? Parce que c'est tellement... ces jeunes, hein, basketteurs, demandent déjà clairement... Une seconde édition. Absolument, pas que. Les jeunes professionnels aussi, les gens posent. Beaucoup de personnes ont posé cette question. À quand la deuxième édition? Alors bien sûr, moi, en tant que leader de communauté, j'aspire à faire le plus d'événements comme ça, mais j'ai besoin d'être accompagné. Et encore une fois, c'est un appel à offres. J'ai eu des partenaires vraiment géniaux cette année pour la première. Pour en citer quelques-uns, Epitech est avec nous depuis le début. MTN. On va pas rester à remercier tous les non, à citer les partenaires parce que ici il faudrait quand même passer directement au service commercial avec les donc ouais. Ici c'est juste une émission, vous allez remercier simplement les partenaires. On va y arriver dans un instant. Je ne vous coupe pas, on va y arriver dans un instant parce que c'est une très très belle initiative et l'objectif également pour vous c'est de mettre au devant de la scène, notamment sur le continent africain, les jeunes talents béninois, notamment votre pays qui vous a vu naître. Bien sûr. Moi, à la base, c'est ce que je veux faire et c'est ce que j'ai toujours fait à travers ma fondation, c'est de donner une plateforme pour nos jeunes, saisir des opportunités. Les meilleurs des jeunes qui sont passés par mes camps, certains sont à l'étranger, certains sont passés pro. Donc mon travail c'est vraiment de leur proposer une plateforme et à eux de saisir leurs chances, à eux de saisir leurs opportunités. Et la Summer League justement, comme elle touche tout le pays, c'est les 12 départements, c'est ça que moi ce qui me drive, c'est de se dire que dans ces 12 départements on a forcément des pépites, on a forcément, et donc là on en a vu des belles. Maintenant c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de maintenant? Et pour moi, ma question, c'est comment je vais continuer à les accompagner? Ils sont très jeunes, hein, ils ont 14, même pour certains d'entre eux, 13 ans. 13, 14, 15, 16 ans. Donc, ils sont encore très jeunes. Donc, dans quelle mesure la Fondation va être capable de continuer à les accompagner dans leur quête du Graal et quelles sont les prochaines initiatives que nous allons mettre en place?
Yann, je ne vous coupe pas, on va parler toujours, hein, on va revenir à la Summer League, mais cette fois-ci on va aller sur le continent africain avec l'Union africaine de judo et un béninois qui est donc à l'honneur. Il s'agit de Gbetoro Anisegrito qui est l'actuel président de la Fédération béninoise de judo. Il a été nommé directeur de la promotion continentale du judo, c'est bien évidemment après à la suite de l'Assemblée du Congrès électif qui s'est donc tenue à Dakar au mois de mai dernier. Il a été donc élu et siège donc directeur donc de ce comité. C'est également ça on veut hein, pour le sport béninois, les Béninois qui sont donc qui jouent les premiers rôles dans les instances dirigeantes donc des différentes disciplines sportives. Retour donc au plan national pour parler cette fois-ci des championnats nationaux de tennis de table. Je vous propose dans ce reportage le résumé de ces championnats nationaux. Au rôle des arts de Cotonou, il y a des médailles et titres nationaux à aller chercher pour les pongistes, quelle que soit la catégorie. Il y a une diversité au sein de la famille pongiste, diversité en termes d'âge déjà. On a des enfants de 6 ans qui participent aux championnats nationaux. Vous voyez ce que ça veut dire avec ce public et ses supporters. Et nous avons des adultes de 70 ans, 75 ans qui vont également jouer la partition des vétérans. Et bien entendu, entre ces deux extrêmes-là, on a toute une flopée de personnes. Donc diversité au niveau de l'âge, mais aussi diversité au niveau géographique. 250 pongistes venus de tout le Bénin viennent s'affronter pour connaître les meilleurs. L'occasion s'offre à eux avec ces championnats nationaux de tennis de table. 2024. Je me réjouis bien d'être aujourd'hui parmi vous pour le lancement effectif de l'édition 2024 des championnats nationaux de tennis de table. L'accent est mis sur le fair play. J'invite chacun de vous dans sa recherche de la victoire au fair play nécessaire à la réussite de toute compétition sportive afin d'hisser haut les couleurs de notre nation. Je prête serment que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et aller de l'avant. Merci. Nous allons œuvrer pour une compétition paisible et loyale. Au nom de mes collègues officiels et à mon nom propre, je le jure. Pour l'ouverture de cette compétition statutaire, un invité de marque, Mathurin Kofi Nago. Je me sens comme un intrus. Mais en réalité, je ne le suis pas, je n'en suis pas un. Parce que je voudrais vous souffler que j'ai été sportif pongiste pendant près d'une quarantaine d'années. Je voudrais donc remercier particulièrement le président de me permettre de renouer avec ma pension d'hier. Je suis très heureux d'être ici pour renouer avec cette passion et je me réjouis de constater que l'élan est resté vivace. Le tournoi a connu dans la journée du 29 août ses premiers champions. Chez la U21 dames, Amandi Stacy confirme. Onel Kosuro s'offre le sacre national chez la U15 garçons et Manuela Mayaki chez la U15 filles. Dans la catégorie U13, Christelle Amandi et Chabelle Agoné sont les champions respectivement en dames et hommes. Voilà donc pour ce qui concerne le tennis de table. On va ouvrir la parenthèse du football avec ce communiqué de la Fédération béninoise de football concernant bien évidemment le championnat national de football. Vous voyez donc le communiqué sur votre écran avec la Fédération béninoise qui est au thème donc de l'Assemblée générale et bien évidemment la mise en place d'un comité qui a donc
donc décidé que le championnat se jouera désormais à partir, hein, bien évidemment, ce championnat pour le compte de la saison 2024-2025 sera donc en une seule phase. Deux poules qui vont donc animer le championnat. La poule A constituée des clubs des zones A et B et la poule B constituée des zones C et D. Le championnat sera linéaire par poule avec 17 matchs aller et 17 matchs retour. Au total, 34 matchs pour les équipes. Et à l'issue, bien évidemment, des matchs de poule, les clubs classés premiers de chaque poule vont donc jouer une finale, disons un play-off, pour déterminer le club champion du Bénin et le club vice-champion du Bénin. Et la partie qui devient très importante dans ce communiqué, c'est bien évidemment les 9 premiers clubs de chaque poule seront qualifiés pour la Ligue 1. Les clubs classés, bien évidemment, de la 10e à la 17e position seront donc qualifiés pour la Ligue 2. Les clubs classés 16e dans chaque poule vont descendre donc en Ligue 3. C'est d'autant très important et ça peut quand même apporter un plus à l'animation de ce championnat qui va donc débuter le 14 septembre avec un très bon derby du septentrion entre les Buffles du Bogou et les Panthères du côté du stade Omnisport de Djougou. On va parler toujours football avec le sélectionneur Guénot Rock qui a dévoilé la liste des 25 guépards qui vont donc jouer pour le compte du Bénin, le Nigeria et la Libye pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'était le week-end écoulé. Le sélectionneur était bien évidemment en conférence de presse. Apparu en conférence de presse, les sereins Guénot Rohr, le sélectionneur des Guépards. J'ai tenu à avoir une certaine continuité. 25 joueurs convoqués. On note la première sélection du défenseur de Coton, Bachirou Sika Souleyman. Olivier Verdon effectue son retour tout comme Steve Warren Traoré. D'autres par contre sont absents, à l'image de Prince Ricardo Dosu et David Tchetchao. Tchetchao, qui est à Chicago, a été opéré de ligaments croisés. En ce qui concerne Prince, il y a différentes analyses médicales et différentes opinions médicales. Il est allé à Chicago. Puisqu'ils étaient contents de Tchetchao, ils ont vu Prince également et ils ont constaté qu'il valait mieux faire une opération. Donc maintenant, on va vers ça. Nous allons vers une opération, soit à Chicago ou en Allemagne, où il y a des gens qui veulent bien, dans la clinique Charité à Berlin, s'occuper de lui. Voilà, voilà la situation. L'objectif est de bien débuter cette campagne des éliminatoires de la CAN 2025. Et nous avons maintenant une connaissance les uns des autres pour dire qu'on sait où on va. Voilà, donc ce match au Nigeria va être magnifique, mais il va être extrêmement difficile, on le sait. Mais on a un bon espoir de faire quelque chose. Et après, par contre, on n'a que 3 jours pour préparer le deuxième match de la Libye. La Libye, c'est un peu l'inconnu. Les dernières informations qu'on a, ils ont bien commencé leur qualification en Coupe du Monde, d'ailleurs. Ils sont bien classés. Mais ils auraient des petits soucis de Benghazi. Les joueurs ne veulent pas venir. Il y a un problème interne, c'est ce qu'on m'a dit hier. Donc, voilà, on va voir ce qu'ils vont présenter déjà dans le premier match contre le Rwanda, qui joue avantage pour eux par rapport à nous. Ils ont 2 jours de plus de récupération entre les deux matchs, parce qu'ils jouent 2 jours avant. Donc parfois, je ne comprends pas trop la CAF, comment elle organise les choses. Ça manque un peu d'équité sportive. S'il y a un pays qui a 2 jours de plus de préparation qu'un autre, c'est quand même un avantage. 1 jour, encore, je vais bien, mais 2, ça fait beaucoup. Donc on attendra et on verra en fonction du premier match. Pour le moment, il n'y a que le Nigeria qui compte pour nous. Les Guépards débutent le regroupement le 2 septembre à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ils jouent les Super Eagles du Nigeria à Ouyo le 7 septembre et 3 jours plus tard la Libye au stade Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan.
Et il faut dire que le groupe est actuellement donc du côté d'Abidjan pour poursuivre, pour débuter donc la préparation de ces deux rencontres, le match face au Nigeria qui est donc la rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On va rester toujours dans la ligne donc de ces éliminatoires avec le micro qui a été tendu aux fans des Guépards mais également aux fans du football pour connaître les attentes vis-à-vis de la sélection nationale. Et ils sont plutôt entre espoir et beaucoup de prudence, notamment avec le match la campagne qui va débuter pour le Bénin face au Nigeria. 6 points à aller chercher pour ces deux premiers matchs de la CAN 2025. Pour aller à cette quête, Gernot Rohr a fait appel à 25 guépards. Une sélection capable d'engranger le plus de points possible selon les supporters. En tant que Béninois, je pense vraiment qu'ils sont là au top. Ils sont même au top. Je leur prévois un 2-1 encore. Je souhaite que le meilleur gagne, surtout le Bénin, parce que tous les pays africains qui, par le passé, ne faisaient pas des efforts dans le plan du football ont fait des efforts énormes. Bénin-Nigéria, je crois que le Bénin, comme toujours, va gagner le Nigeria. 2-1, je pense. Voilà. Bénin-Libye, c'est 2-0 en faveur des Guépards. Bon, mes attentes, j'espère que le Bénin va gagner. Je suis derrière vous. Faut pas nous décevoir. Si pour les uns, l'espoir est permis pour rééditer une nouvelle victoire face au Nigeria, pour les autres, il faudra aborder cette première rencontre avec délicatesse. Moi, j'ai des attentes, mais je ne sais pas s'ils pourront aller au-delà de mes attentes. Mais j'espère qu'on pourra gagner, même si c'est de un but, ou peut-être faire égalité, mais perdre, non, je ne veux pas. À la Libye, je pense qu'on peut gagner hein, par rapport à la Libye. J'apprends plus le Nigeria que la Libye. Moi, si j'étais entraîneur du Bénin, je prendrais ça pas à la légère. Hein. Le Nigeria, c'est un gros calibre, donc faut bien préparer le match, visionner les cassettes. La victoire, bien évidemment. Mais par contre, il va falloir que notre équipe soit un peu plus perspicace face au Nigeria. Parce que vous savez, le Nigeria, c'est aussi une forte équipe. Donc, en tout cas, on attend la victoire de la part des Guépards. Après ces deux rencontres, le Bénin affronte le Rwanda en double confrontation les 7 et 15 octobre 2024. Deux matchs qui entrent dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et il faut bien évidemment rappeler hein, que cette campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 se joue en seulement 3 mois. Hein. Il y a la fenêtre de septembre, ensuite octobre et ces éliminatoires vont prendre fin au mois de novembre. On en revient à notre invité donc de cette soirée, Yann Maimi. Alors Yann, quelles sont les perspectives pour la Summer League déjà dès la deuxième édition? Alors bon, on a déjà avant la Summer League, ce que moi j'aimerais, j'ai un projet, comme vous le savez, en 2022 déjà on a signé un MOU entre le ministère des Sports et la NBA Africa. Oui. Donc j'aimerais bien mettre en place une action qui puisse vraiment débuter ce partenariat pour nos jeunes. Quelle catégorie d'âge, je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien débuter quelque chose pour les jeunes. Et puis, très tôt se pencher sur cette deuxième édition de la Summer League qui va arriver très vite. C'est vraiment un gros événement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Cette saison, cette première édition. A été bien, mais pour toute personne qui est dans l'événementiel, il y a plein de choses à corriger. Il y a plein de choses à améliorer. Il y a plein de choses des innovations à ramener. Donc là, on va vraiment, on va prendre quelques jours de repos et après on va revenir au boulot et on va préparer cette deuxième édition. Et on va surtout essayer de trouver des partenaires, des sponsors pour nous accompagner pour faire de cet événement un événement encore bien plus grand. Ah oui, c'est ça l'objectif. Est-ce que lors de ces différentes activités organisées par Yann Maimi, le message véhiculé aux jeunes également, c'est le fair play? Bien sûr, ça c'est la base hein, pour moi, d'avoir des attitudes de fair play. Bien sûr, la compétition c'est important,
mais pas à n'importe quel prix. Moi, j'adore la compétition, mais la compétition qui est faire, hein, qui est dans le bon sens, dans les règles de l'art. Donc, on prête attention à ça. On a aussi le programme des jeunes officiels qui travaillent avec nous. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'inculquer aux jeunes. C'est non seulement, oui, on forme, donc il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, mais c'est aussi d'apprendre dans les erreurs et c'est surtout d'accepter les erreurs, de continuer à jouer. Donc oui, toutes ces notions de fair play sont très importantes. Ça fait partie pour moi du pilier de fondation d'un athlète. Ah oui, le fair play, mais également l'esprit de compétitivité, l'esprit, la détermination surtout sur le terrain. Et l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est très important. Moi, je dis souvent aux parents, moi, j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles. Et à partir de 12 ans, elles doivent tous choisir un sport co. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de valeurs dans le sport co que nous, en tant que parents, on ne peut pas enseigner. C'est-à-dire les valeurs du partage, les valeurs de jouer en équipe, les valeurs d'écouter un coach, des valeurs d'abnégation qui me donnent. D'humilité. Pas... Excusez-moi. D'humilité et autres. D'humilité, le dépassement de soi-même, ou aussi même de se mettre au service du groupe. Parce que souvent dans les sports co, tu as une individualité, mais si cette individualité ne se met pas au service du groupe, elle ne gagnera jamais. Donc, c'est toutes ces petites valeurs qui font que le sport est magique et c'est très difficile pour nous, les parents à la maison, d'inculquer ce genre de valeurs. Ce genre de valeurs. Alors, Yann m'a mis votre mot de la fin, soirée sport, c'est déjà terminé. Ah, le mot de la fin. J'espère que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'espère que vous allez prendre le temps d'aller voir sur la page de la Fondation ce qu'on a fait cet été avec cette Summer League. J'espère que ça va vous parler. J'espère que vous allez inciter vos enfants, vos filles, vos garçons à faire partie de cet écosystème du sport. Encouragez-les à faire du basket. Encouragez-les à s'intéresser au journalisme, à la création de contenu. Tout ça parce que cette industrie est gigantesque. Tout autre pays, toute autre nation s'est déjà porté sur ça. Pourquoi pas le Bénin ? On a tout ce qu'il faut ici. Donc voilà un peu, c'est un appel à action aussi pour les parents. C'est un appel à action pour toutes les personnes intéressées à évoluer un petit peu dans le sport. Yann Maïmi, merci. Merci d'être venu dans Soirée Sport. Nous donner plus de détails sur la Summer League, la première édition qui s'est donc déroulée à Grand Popo et à Covey. Merci également de l'autre côté à mon très cher ami Roméo Akloso qui est dans les coulisses depuis donc le début de cette émission. Merci à l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles, équipes techniques dirigées demain de Maître Ce Soit Pas. Mon cher Janvier Tonon, un grand sportif également. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous du magazine sportif à partir de 11h30 le samedi prochain sur la télévision nationale. Bye bye.